bannir aux illuminations de l'humilité, verra toutes choses dans l'éternel amour et dans l'unité.
La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Que notre seule fierté soit la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, nous avons le salut, la vie et la résurrection. Par lui, nous sommes sauvés et délivrés. N'ayez pas peur, c'est de l'évangile aujourd'hui. Ah là là. Avec la ceinture, surtout avec une des chevaux, surtout quand il est en décapotable, ce serait mieux d'être sans ceinture. S'il y a un choc, il vaut mieux un choc. Sortir par le haut. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir un choc aussi, où la ceinture peut nous aider. Quoi qu'il en soit, c'est pas la ceinture qui va nous sauver. Donc il faut commencer par le signe de croix. Le fait d'avoir fait pas mal de ski dans ma jeunesse, eh bien ça apprend à faire un slalom géant sur les routes, quoi. Pour laisser couler. Et puis... Mais il ne faut pas manquer de prudence, on ne peut pas. On n'a pas droit à l'erreur. Pas eu d'accident dans cette voiture depuis 25 ans. Maintenant, on a vu le Yoko, ok, on va faire pareil, ok. C'est vrai, c'est nous pour nous chrétiens, c'est un geste du Créateur, quoi. Ah, non mais là c'est le premier salut, c'est par rapport aux ancêtres qui nous ont donné toute la connaissance. Le deuxième, c'est pour celui qui fait le cours. Oui, et le troisième, c'est parce que mutuellement, si on n'a pas un partenaire, on ne peut pas progresser. Donc il faut des partenaires, alors on se salue mutuellement. D'accord. Voilà. Donc c'est... Ça n'a rien de religieux, c'est simplement se saluer. Bon, c'est vrai que c'est japonais aussi, c'est pour ça qu'on se salue de cette manière. Voilà.
Mais je lui avais expliqué. Parce que nous, c'est vrai, ça porte. Nous, on fait ce geste-là, mais c'est pour remettre tout notre être au Créateur. Ah, c'est oui, un geste ouais. d'adoration. Ouais. Parce que là, non, c'est pour se remercier, se saluer. C'est un signe de respect avec les partenaires et avec celui qui fait le coup. D'accord. Ça n'a pas d'autre signification. Hein. Bon, maintenant que c'est clair, maintenant qu'on le sait. Mais je lui avais dit que c'était ça. Hein, les... Alors, il n'y a pas d'autre signification. Oui, oui. Merci beaucoup. Bien. Seigneur notre Dieu, le soir de sa résurrection, les disciples ont reconnu ton Fils à la fraction du pain. Accorde-nous aussi la joie de sa présence parmi nous, que nous prenions ce repas dans l'action de grâce par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Benedicamus Domini. Deus gratias. On va commencer par faire la feuille tout de suite. Pour cette semaine. Oh, c'est vrai, Jean-Marc qui dirige les opérations. Avec un sou, bien sûr. Comment ça passe quand même? Bah, tu demandes à Claude Emmanuel s'il a envie. C'est du principe. Salut, lui. Une petite personne qui est pas là. Oui, toi, tu l'as. On est parti sur la lune cette semaine. Le frère abdominé, c'était moi. C'est une invitation. À changer. Changer. Je peux bien faire. De sécurité pour entrer dans l'aéroport de New York, c'était vraiment pénible. Les femmes qui font partie de ce service, elles abroient des commandements à chaque personne. Ruff, ruff, ruff. Je les prends, je sais pas, c'était vraiment bizarre. Donc, quand nous verrons, demain, per la mesa, yeah.
on est possible. Le 21h, 28 minutes. Donc, ça fait un petit quelque chose. Mais c'est vrai, on n'a pas un pouvoir direct pour faire pousser la foi. C'est Jésus qui le fait pousser en nous. C'est un don qui vient directement de Dieu, comme l'espérance et la charité d'ailleurs. Les enfants, là maintenant, dans le troisième Pascal, avec ce repas festif, le repas de la Seine. Ce sera nous qui vous servons. Nous partagerons avec notre Père dans l'action de grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Thank you.
On va manger d'abord, après le gâteau, après un gâteau, après tout, j'appelle pour toi, va manger. Puis après, je sers le gâteau pour toi. T'as compris? J'arrive, va manger. Alors, c'est que le poésie. Le muscat. Vous m'attendez? C'est pas une tutine, c'est une dodge. Ah, dodge. D'où vous êtes? Comment? Vous avez froid, vous avez chaud, vous êtes... On est très bien. Bon, c'est déjà bien, c'est positif déjà. Très bien, merci. C'est bien. De quelle région vous êtes? Haute-Marne. Haute-Marne. Champagne. Chalon-Champagne. Voilà. Oui. L'école du cirque. Vous connaissez? Bah, quand même. Il y a la messe de Pâques, si vous voulez, qui va être chantée. Tu vas être magnifique. Convertissez-vous et croyez en l'évangile. La messe est ici. Nadalia. Comment va? J'ai bien pensé à toi. Essayez avec moi. Alléluia. 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 Je ne suis pas trop exigeant. On va essayer encore. Ceux que lavent cette eau seront sauvés et chanteront à vous. Alléluia. Alléluia. D'accord. Donc, peut-être il y a ceux qui ne chantent pas parce qu'ils ont peur de chanter faux. N'hésitez pas. Pour les oreilles du bon Dieu, c'est de la musique céleste.
Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Nous fêtons en premier lieu le Christ vainqueur du mal, ici aujourd'hui. Et c'est ça ce que les confrères ont chanté au début de la messe, si vous avez été attentifs. Et oui, vous, au Christ, il est vivant. Et c'est de cette vie. Nous sommes témoins. Nous sommes comme envoyés en mission pour être témoins de la vie plus forte que la mort. L'amour plus fort que la haine. Et c'est ça ce qui nous est promis, chers amis, une vie sans souffrance, sans fin, une vie qui n'est que bonheur, amour et plénitude. J'aime trop ça. Oh. On leur prend un peu à chaque fois, hein. On leur prend 10 mètres à chaque tournant. Quand on est sérieux dans la vie, il faut savoir trouver des petits moments de détente. On le trouve au volant, mais on est très sérieux. On est très prudent, surtout quand on a été en Inde. Qu'on a conduit au milieu des bœufs et des vaches sacrées, des chariots et des mobilettes. Et quand on avait aussi ces ongles en deux chevaux qui annonçaient qu'un jour on se retrouverait avec deux chevaux et deux pères au couvent à faire la course. Et ils aimaient faire la course et on aimait ce qu'ils foncent davantage et qu'ils soient toujours premiers. Ça n'a pas changé, mais là on veut être dernier comme Jésus. Pour être premier en amour. Excusez-moi, je double. Et c'est un dépassement dangereux. God bless. C'est la peste là. Vous êtes resté jeune, c'est bien. Vous l'avez assez aimé, continuez, hein.
ce grand aigle, il nous dit ce soir, accroche-toi, Jeannot. On est tous des Jeannots pour l'Esprit Saint, des petits gens. Je vais faire de toi un spirituel. Toi qui es si charnel, n'aie pas peur, je vais y arriver. Je vais faire de toi un mystique. Toi, le drôle de moustique. Vous savez, on est tous des moustiques, hein. On embête nos frères dans la vie commune. C'est ça, un moustique, c'est celui qui nous embête. Plus vous allez dans le sud, plus les moustiques vous embêtent, c'est curieux. Et puis, je vais faire de toi un chrétien. Toi qui es le petit païen incurable, eh bien, je vais te faire de toi un chrétien. Et puis, c'est dans une terre païenne, on y reviendra. Hier, mais ceux qui sont là, on sent qu'ils vont très vite faner, il faudrait peut-être penser. Et les roses, il faudrait couper les rosiers et les remettre dans de l'eau pour que ça. Quand il faut couper le. Il faut faire ça, hein. La chapelle. D'accord. Je vais faire en bas. Est-ce que tu as besoin d'aide pour le jardin ? Oui, j'aurais besoin d'aide, mais. À l'intérieur de nous, j'espère que ce n'est pas une prison. Même si on a notre jardin secret, c'est un jardin. À l'intérieur de nous, on a un jardin secret qui peut être clos, clôturé. Les grands spirituels parlent de clôture intérieure, de château intérieur. Plus qu'une prison, c'est un château intérieur, pour reprendre l'expression de Sainte Thérèse d'Avila. Donc on a à se construire. C'est ce qu'on fait pendant le temps du noviciat, qui est un temps de formation à la vie religieuse. On se construit, on se fortifie, on se consolide, avec l'aide des autres, son château intérieur, qui est comme une forteresse, qu'on aimerait bien être imprenable. Mais on se rend compte avec le temps que c'est loin d'être imprenable, hein, parce qu'il y a des assauts, et quelquefois acharnés, notamment des puissances mauvaises, hein. On a tous nos tentations, on a tous nos combats, et ça ne plaît pas à tout le monde, hein. Le fait que des religieux s'enferment dans des monastères, vivent dans la prière, fortifient leur contact avec Dieu, un contact que l'on veut permanent, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est pas seulement les gens qu'on voit, c'est aussi ceux qu'on ne voit pas, les esprits mauvais, hein, qui existent. Et donc le monastère, c'est pas un paradis terrestre, c'est un lieu de combat, un lieu qui peut être merveilleux,
on peut goûter la présence de Dieu, on peut faire cette expérience de son amour et de sa présence, et vraiment comme on peut même à certains moments être comme dans un halo, hein, comme dans une bulle, mais à d'autres moments, c'est le combat acharné, quoi. C'est la bourrasque, les tempêtes, et donc là, il faut s'accrocher, donc il faut être prêt à tout. Et on peut passer de l'un à l'autre en quelques minutes. Donc ce n'est pas une vie confortable. C'est sûr que ce n'est pas une vie confortable. Amen.